Salut à tous! On a un petit peu tendance à l'oublier, mais tout le savoir que nous avons acquis n'est pas apparu comme ça, comme par enchantement. Il a fallu beaucoup de temps pour l'obtenir, et surtout, il a fallu des peuples pour le découvrir. Je vous propose aujourd'hui de partir à la rencontre des peuples qui ont accompagné les premiers pas de la science. Je vous avoue que, personnellement, j'étais convaincu que la palme allait revenir à un des membres de ce que j'appelle le tiercé antique, à savoir les trois civilisations antiques les plus connues, qui sont la Grèce, l'Égypte et la Chine. Eh bien, à ma grande surprise, le grand gagnant n'est aucun des trois. Il nous faut remonter jusqu'à 3300 ans avant notre ère. Nous sommes en Mésopotamie, une région du monde située entre la mer Méditerranée et le golfe Persique. C'est là que se formera le peuple des Sumériens, qui inventeront l'écriture la plus ancienne connue à ce jour. Il s'agit d'une écriture idéographique, c'est-à-dire qu'elle utilise des symboles qui ont chacun une signification et une prononciation. Au départ, cette écriture était principalement utilisée pour faire du commerce. Ceci étant dit, les Sumériens ne connaissaient ni le papier ni le parchemin. Du coup, tous leurs textes étaient gravés sur des tablettes en argile. Autant vous dire que quand ils allaient faire les courses, ils devaient faire en sorte d'avoir la liste la plus courte possible. Le système mathématique des Sumériens est plutôt particulier. Il est en base 60, contrairement à notre système qui est en base 10. Si vous vous demandez ce que c'est, eh bien il s'agit tout simplement de la façon dont nous comptons les heures. Toutes les 60 minutes, le nombre d'heures augmente de 1 et le nombre des minutes repart à 0. C'est le même principe. Et oui, c'est de là que ça vient. Alors vous vous demandez sûrement pourquoi ils se sont compliqués la vie. Eh bien, bizarrement, c'est plutôt le contraire. Prenons notre système qui est en base 10. 10, c'est 1 fois 10, également 2 fois 5, et c'est tout. Il n'y a que 4 diviseurs possibles. 60 par contre, c'est 1 fois 60, c'est aussi 2 fois 30, 3 fois 20, 4 fois 15, 5 fois 12 et 6 fois 10. Il y a 12 diviseurs, c'est plus pratique pour les calculs. Quant à la question pourquoi ont-ils choisi le nombre 60 et pas un autre, tout simplement parce qu'il correspondait à leur façon de compter, en se servant des phalanges de la main. Petite démonstration. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, et ainsi de suite. Lorsque l'on arrive au cinquième doigt de la main gauche, le décompte est à 60. Bien sûr, ils inventeront les opérations de base, addition, soustraction, multiplication, ils auront des tables d'inverse pour faire les divisions, et enfin ils énonceront les premiers problèmes géométriques. Comme tous les peuples de l'Antiquité, qui n'ont ni internet, ni télévision, ni journaux pour les distraire, les Sumériens ont levé les yeux au ciel pour contempler les étoiles. À l'époque, c'était très lié à la religion, car le ciel est le domaine des dieux, là où ils vivent et là où ils nous laissent des messages. Du coup, il fallait faire très attention à ce qui s'y passait. Et cela a conduit les Sumériens à étudier le ciel. Ils ont notamment remarqué les phénomènes qui se répétaient au fil du temps, comme les phases de la Lune, dont ils se sont servis pour établir leur calendrier. Ils ont également noté les périodes où Vénus, alias l'étoile du berger, était visible. Car, je le rappelle, à l'époque, ils n'avaient pas non plus de lunettes astronomiques. Du coup, ils ne pouvaient faire que des observations à l'œil nu. Mais ces observations leur ont quand même permis de faire beaucoup de prédictions.
cela a servi de base à plusieurs civilisations qui viendront par la suite, comme les Grecs ou les Indiens. En ce qui concerne la médecine, il faut admettre que c'est un cas un peu particulier. Si les Sumériens utilisaient déjà la médecine par les plantes, auxquelles peuvent s'ajouter des éléments plus exotiques comme des écailles de tortue, on ne juge pas, c'est la mentalité de l'époque, les maladies sont vues comme une punition divine. Du coup, l'administration d'un remède s'accompagne souvent de rituels ou d'incantations pour apaiser les dieux. Pour information, les troubles mentaux, eux, n'étaient traités que par des moyens magiques. Bref, la médecine de l'époque, c'était un mélange de science et de magie où chaque aspect est complémentaire. Voilà, c'est sur cette note que se termine cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Bien sûr, je vous ai fait une synthèse, je n'ai pas parlé de tout. N'hésitez pas à faire vos propres recherches et à me dire si vous avez des infos en plus à rajouter. Dans tous les cas, prenez soin de vous et moi je vous dis à la prochaine !